Princess Welsh et Tatiana Fusari ont été accusées de meurtre après avoir laissé leur fille mourir de malnutrition et de déshydratation. Plus ils n'avaient pas confiance dans la médecine moderne. Princess Welsh et Tatiana Fusari ont été accusées, lundi 6 août, de meurtre et de maltraitance après que leur fille de 10 mois, Marie, a été retrouvée morte de malnutrition et de déshydratation, détaille le Washington Post. Le père a appelé les secours pour signaler que son enfant ne respirait plus, selon un communiqué de presse. Les circonstances de la mort du bébé doivent encore être précisées, mais les parents, tous deux âgés de 27 ans, ont déclaré à la police qu'ils savaient depuis au moins un mois que leur fille avait un poids insuffisant. La mère a également reconnu qu'elle avait refusé de demander de l'aide par peur de voir ses enfants enlevés par les services de protection de l'enfance, par manque de confiance dans les services médicaux et pour des raisons religieuses, selon le mandat d'arrêt obtenu par la chaîne Hulu de télévision, une filiale de NBC. Ne devrions-nous pas laisser les faibles mourir ? Dans des sermons vidéo publiés sur son compte Facebook, le père dénonce les vaccins, les mauvais médicaments et les médecins. Il a aussi expliqué pourquoi il avait refusé de vacciner ses enfants. Cela ne me semblait pas judicieux de sauver des personnes qui n'étaient pas les plus aptes à survivre. Si l'évolution croit en la survie du plus fort, alors pourquoi vacciner tout le monde ? Ne devrions-nous pas laisser les faibles mourir et laisser